C'est parti Régis, bonjour. Bonjour. Bien, bah écoute, parle-nous un petit peu de ta finale là cet après-midi. Comment tu t'es senti? Alors la finale, elle s'est bien passée parce que j'ai gagné. Après, le ressenti, c'était mitigé parce que dès la première partie, je loupe déjà une grosse noire qui peut être décisive dès le début pour la morale. Donc je suis mené 1-0 tout de suite. Et puis après, mon adversaire a fait des petites erreurs et j'en ai fait moins que lui, on va dire. D'accord. Donc comment tu t'es senti sur l'ensemble du tournoi d'une certaine manière? Alors l'ensemble du tournoi, on va dire que hier, j'étais vraiment en forme. Et j'avais vraiment l'envie de bien faire. Donc j'ai lâché aucune partie. J'ai mis vraiment beaucoup de volonté sur toutes mes parties. Et on te sent un peu fatigué quand même après, parce que psychologiquement, c'est fatigant sur le plan physique aussi quand même. C'est fatigant parce que on se déplace le vendredi, donc on fait déjà 6 heures de route. Les demi-finales se sont terminées à 4 heures du matin. On s'est relevé ce matin à 7 heures. Plus après le stress procuré réellement par les parties, c'est vraiment un sport à la fin. Bien sûr, Régis, tu veux nous parler un petit peu de ton club dans les Vosges, là? Les Vosges, pardon. Les Vosges, oui. Donc, c'est un club où il n'y a pas énormément de licenciés. Hein. Le Nord-Est, au niveau billard, c'est pas énormément développé. On a une centaine de licenciés au sein de la Fédération française de billard. On va dire que vraiment dans notre région, ça a du mal vraiment à se développer. D'accord. Tu pratiques depuis combien de temps le billard, toi? C'est ma 17e année. Ouais, ça fait quand même un petit temps là que tu le pratiques. Hein. Ah, on devient les routiers. Ok Régis, écoute, parle-nous un petit peu de tes objectifs là. Les semaines prochaines, tu participes au championnat d'Europe peut-être? Non, je ne participe pas au championnat d'Europe. Donc moi je suis uniquement inscrit en mixte. Par contre, j'ai pas fait mes calculs, mais avec cette victoire à cette Open, j'ai peut-être une possibilité d'accéder donc au Black Ball Master. Au Black Ball Master, d'accord. Donc là ça sera tout de suite un autre niveau. Et oui, ça monte d'un cran. Hein. Tout à fait. Bien, merci Régis pour ces quelques mots. On te souhaite une bonne continuation en tous les cas. Merci beaucoup. À très bientôt, au revoir.